sais que t'es énervé, mais je veux pas avoir ton attention de 10 minutes. Je t'écoute. Là, on est dans l'Orignal. Oui. Mais t'as pas à stresser. Le territoire de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer, surtout le secteur où est-ce qu'on s'en va, tu le connais. Mais sais-tu quoi? Je peux pas stresser. Je suis avec toi. Tu te souviens où est-ce que Jonathan nous a envoyé à l'ours l'année passée? Oui. Mais c'est grosso modo dans ce bout-là qu'on va aller jouer. Ah, bon. Là, par rapport à nous autres, là, le chalet, il est... Le chalet est là, l'accueil est ici. Fait que la fourche... Ici. C'est bon. Fait qu'on a quand même un bout qui nous appartient là. Je me souviens des affaires quand même. Oui, oui. Là, on est dans pourvoirie. Oui. On a quand même un bon bout à faire qu'on n'est pas dedans. Oui. Puis moi, je pense que le beau est en haut, là. Puis rapidement, là, ça n'a pas bougé beaucoup, beaucoup dans le secteur encore cette année. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de femelles ici. Les bocs sont sur les femelles. OK. Joe a vu des traces dans ce coin-là de mort. OK. Ça vient de commencer à bouger dans ce coin-là. Okay. Moi, je pense qu'on va le voir, là. Oui. Te guider, oui, mais je veux que tu participes aux décisions parce qu'on a un gros boc. Il va falloir trouver comment y jouer dans la tête. Puis ce ne sera pas nécessairement évident parce qu'on n'est pas les seuls femelle qui va avoir de présent dans le coin. Fait qu'il va falloir trouver comment aller titiller pour le faire sortir. Mais ici, il y avait une belle coulée, là, tout le long, me semble, parce qu'il y avait la rivière en bas. Fait que, me semble, tu sais, ça serait un beau terrain de jeu. C'est sale, par exemple. Si on est là-bas dans ce coin-là, okay. Ça va être. Bon, oui, on va descendre voir, puis on va voir s'il y a beaucoup de signes, on verra de quelle façon on peut peut-être les faire monter un petit peu plus proche, question que ce soit aussi sortable, parce qu'il y a aussi. Il faut y penser aussi. Hein? On a des quatre roues, mais pas des hélicoptères. Moi, je dis 5 demain, si on se lève. Oui. Dans le coin de 5, on est quand même pas trop loin. On déjeune, café, on se fait des thermos, puis on s'en va direct en haut si ça tente. Moi, ça me tente de commencer juste au bord de la Castor. T'as-tu vu? Je fatigue. Tu te souviens du petit ponceau, le bord du... Oui. On commence là. Okay. On se parcourt la Castor, puis Vendu. On commence au ponceau. Vendu. Parfait. On y va. On emballe le douche, le dos. Tout de suite? Comment je vais faire pour dormir? Tu te couches, puis tu dors. OK, je vais essayer. Ça avant que ça me pogne. Mm-hmm. Faut pas en foutre, mais. Je pense qu'on devrait être correct de même. Non, ça, ça. Oh, je le sais. Quoi, ça a la chasse. On aime ça. On s'en touche ça. Moi, je pense que. On claire un peu le... On claire un peu la place. Juste le bout où est-ce qu'on vient de faire du bruit avec le side by side. On se tasse un peu. On va aller se pogner une place où est-ce qu'on va s'arrêter. Juste le temps que tu te reprennes place, non? On vient de faire quand même pas mal de bruit. Là. On va écouter un peu. On va aussi chemin en l'air de quoi. On prendra notre décision à partir de là. Fait qu'on peut marcher côte à côte en attendant. On va observer. Okay. Je perds la place. Est-ce qu'il y a de mon dos la caisse d'or qui a vu la trace, mais je sais juste pas où. Ce que je pense, là. À moins que tu fais des traces. Non, j'ai pas vu de traces encore. Il n'y a pas de cassé, rien. Le pont qui parlait, ça doit être celui-là. Lui, c'est le même cache, pas loin. Oui. La zone d'action est en arrière de nous autres, là. OK. Fait qu'on va faire notre break juste l'autre bord du pont. Oui. On va s'asseoir, puis on va écouter un peu. OK. On va se tenir sur le chemin pour essayer de voir un peu les traces. Mm-hmm. On avance un peu, on arrête, on fait un peu d'appel, on écoute un peu. OK. On repart. De toute façon, on ne se déplacera pas comme on continue, parce que c'est pas normal dans l'oreille d'un orignal. Ah, mais non, ça s'arrête tout le temps. OK. Thank you.
pense que c'est la bonne place pour garder par là. Soit en même temps, on a l'épinette, hein. Check. On tombe dans le bois franc. Hein. Oui. Ben, le bois franc, mais là, tu sais. Aussi les francs, aussi les bois francs. Hein. C'est comme une nouille à spag. Tu plies ça ensemble, ça fait même pas craque, ça fait. Cette année, c'est toi, l'année passée, c'était moi qui essayais de pogner un arbre. Si on va mettre un peu de bouteau d'automne, genre anis. Je pense que ça sera une bonne taille. Urine de famille.
ça, ça a comme recommencé à bouger, là, t'sais. Ils ont comme fini de couper, s'il y en a couplé comme femelle, puis ils restartent une deuxième pause, là. Ah, je pense que ça serait une bonne idée. Okay, avec les traces de gros bocs qu'on a fait en haut, là, quand la femelle, comme on a collé, si on met de l'urine de femelle, là, pas en fou, là, on vient se staller là, à ce moment. C'est ça, on va du café. Pas se m'endormir, c'est sûr. Ah, non! Dépose ton sac, on va pas les affaires dedans. On descendra pas avec le sac pour rien, hein. C'est gelé, ça. C'est normal. C'est pas. À soir, on est ici, là. Ouais, oh, okay, on prépare le spot en conséquence. Bon, un peu à terre. L'urine de semaine de 0,33, là. Un peu à terre, alentour des blocs, comme si vraiment le repissé. Là, le vin, il est un peu phéromone. OK. On va mettre du ballon que je t'ai fait un peu partout. Un petit peu, à peine. T'es en train de me dire que c'est ça la recette spéciale? Ouais, c'est. Non, tu savais pas, c'est Stéphane qui embouteille personnellement. Non, c'est pas. Dis-le pas ça. On va. Ouais, les phéromones encore un petit peu moins. Toi, en revenant, ça va être push. Un, oui, deux, trois, quatre pas. Push. Un, deux, trois, quatre pas. Push jusqu'en haut avec l'urine de femelle. Okay. Moi, je vais mettre comme trois push entre là-bas puis en haut. Ouais, on va pas trop exagérer là-dessus. Ouais, non, non, on y va. Puis on met de la poudre d'automne. Ouais, ouais, là, le vin est le même. Regarde, commence par aller là-bas, puis on se reculera un petit peu pour tirer la poudre d'automne. Ben, sinon, on va pas trop jouer dedans, on va sentir l'anis, malgré qu'il sent pas mauvais. Mais... Non, mais. C'est pas. Pépi. Pépi. On fait pépi là-bas. Parce que, check, c'est clair qu'ils vont pisser là. Là. Il y a la trace là. Ils vont boire là. J'ai pas mis de toi, pourquoi tu dis ça? Check l'entrée à la gauche. Il y a un bot tétra. Même les bots tétra répondent. Non, 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 regarde, même les bots tétra répondent à mes phéromones de femelle de Ramona. Tu vois, à toi. Ah, écoute, c'est efficace. Je vais essayer ça. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça va où? Là, ça rentre carrément là, ils s'en vont dans le poulet. Mm-hmm. Ça va se mettre au frais. Ouais. Mais il fait plus chaud. Même nous autres marcher là. Ben nous autres, c'est chaud. Quand on s'en va au camp, là. Il fait trop chaud, ça donne rien. On va juste brasser le territoire pour rien. On risque de brûler des spots. Mm. Ben, on va revenir en fin de journée quand il va. D'accord. Ouais, c'est ça. Et ils vont recommencer à bouger à cette heure-là. Oui. Ouais. Attends, on va manger pour faire une tuyau. Oui, c'est ça. Tantôt là-bas. On va mettre un petit peu de phéromone. Tu vas mettre des deux.
Ça met des phéromones plus de rien. Oui, ben c'est ce que j'ai mis dans les arbres là-bas. Okay. Fait que l'odeur commence à apparaître parce qu'on est pas rien à mauvais vent, là. Ah, ben, c'est suédois, ça. Je vais mettre ma main dans les airs, ça va lancer. Oui.
Team work! Yeah, baby! As-tu vu à deux bites? Oh! Hey! Je vous l'avais dit qu'on allait avoir un orignal. Oh! Hey! Stratégie. Une journée. Une journée. Teamwork. On trouve où est-ce qu'il est, on y met dans la tête une nouvelle femelle, on y met dans la tête un nouveau petit boc, on s'en vient refaire la petite femelle. Tu me crois quand je te dis que je te porte chance et que tu vas avoir un nouvel orignal? Est-ce que t'aimes ton guide? Ah, oh, j'avoue que oui. Bon, parfait. Puis toi, est-ce que t'es contente de ta chanson? Absolument. J'ai tiré vraiment. J'ai comme vraiment tiré comme fou, là. Dans le. Tu sais, comme l'épaule, là. T'as le creux, là. Derrière la scapule, là. Ouais, j'ai vraiment visé, là. De toute façon, la grosseur qu'un poumon, ça va, on s'entend que... On a vu, tu sais, c'était clair, t'as vu comment il a fessé avant de repartir. Le cou était à la bonne place. Pis... Hey, il était beau. T'as-tu vu le barbillon? Oh oui, hey, c'est fou, gros, là. Avec une non, c'est un beau bas. Ça, là, c'est des traces qu'on voyait tantôt. Ça, hey, encore. Je suis fier de toi. Regarde-moi, là. Je suis fier de toi. Hey, j'étais là, content. Pour vrai, là, tu sais, quand je t'ai dit, j'entendais pas. Là, tu me regardes, t'as fait comme. Non. J'étais là, oui, je te le dis. Là, je m'en vais, je vois le panache. Je te l'avais dit. Toi, tu calmes, moi, j'écoute. C'est correct, ça. Ouais, moi, je suis rendu vieux, je suis sourd, fait que. Mais je parle beaucoup, fait que j'ai une habileté verbale. Calé, pas de trouble. Tu joues même avec les orignons. Ah oui. Écoute. I speak the moose. T'as-tu vu exactement par où est-ce qu'il est rentré? Oui, exactement, dans la ligne d'odeur. Il a suivi ma ligne d'odeur, A à Z. On a utilisé du 033 de la phéromonette, des phéromones, la phéromonette, pour des phéromones femelles, mousse, phéromonette. Puis l'orignac que j'ai utilisé, c'est pour aller jouer dans la tête un peu. Ce qu'on avait ici, c'est qu'il y a un nouveau gros boc. Le premier bout de route est passé. Les bocs viennent juste de recommencer à sortir pour aller sur des femelles qui pourraient être disponibles parce qu'ils ont tout accouplé les femelles dans le coin. Fait que là, on vient mettre une nouvelle femelle dans le jeu qui est potentiellement disponible. Mais question de faire qu'il se grouille les fesses un peu, on met aussi un petit mâle qui suit la femelle proche. Fait que ça, t'es sûr du jeu dans la tête. Exactement, ça donne exactement ça. À l'intérieur de même pas 24 heures dans la première journée, stratégie au matin, on revient sur notre point de collecte le soir, il rentre direct dans la ligne, il rentre direct dans le jeu. Un peu de câble, et voilà. Puis en plus, avec la pluie, tes câbles portaient encore plus. T'sais, le plafond est bas, fait que on l'entendait, là, t'avais une bonne écho. Fait que justement, s'il était loin, puis probablement qu'il était pas à côté. T'sais, ça, il a pris de pouvoir prendre le temps d'en venir. Excusez, je suis comme... J'étais même armée. Dis-moi, t'es fière. Je suis fière en ça. Tu peux-tu espérer un meilleur scénario, pour vrai? Non. Première journée. On va... Sors-moi un téléphone satellite. On va sortir de la cage. Je vais tout de suite appeler. Parce que l'annonceur va pogner. Oui, l'annonceur va pogner. Il faut qu'il s'en vienne. Puis, tu sais, je veux dire, on va commencer à y aller quand même. On va mettre des rubans. Mais on va demander à Joe qui s'en vienne avec Lucky pour être sûr. Oui. C'est Francis? Ah, c'est pas grave, ça. Tu peux dire à Joe qui s'en vient chercher le bloc qu'on vient de tirer dans la saline. Oui. Oh, oui, puis de quoi de très beau. De quoi de très, très beau. Ah, ouais. On va monter dessus. On va aller voir. Parfait, c'est bon. Nous autres, on va descendre dessus, on va se mettre des rubans. C'est bon, merci. C'est bon? Salut! Moi, je pense que... Moi, je suis contente, mais je pense que Joe aussi, il va être content. Il va être très, très, très content. Là, c'est Francis, mais il se pose la question. Dit, c'est qui parle? Ben, c'est Martin, je dis. Ben, c'est ton téléphone. Oh oui, mais on vient de tirer le bloc. Il comprenait pas pourquoi t'es ton téléphone. On l'entendait pas. Moi, j'ai encore des jambes qui shake un peu, puis ça, c'est quelque chose à quoi on pense pas souvent. On va descendre une bonne pente, là. Oui, faire attention. On vient faire feu sur un animal, on est quand même fébrile. Si virer une cheville là-dedans, c'est pas trop long. Non. Là, c'est sûr que tu récupères pas ton jambes. Exactement. D'après moi, là, c'est... Oui. Je vais te faire celui-là, là. Les prochains, je vais te les laisser faire. Oh, ben non, je vais enlever mes gants. Tes dernières traces sont là. Oui. Oh! Il est là. Je te laisse avancer. Nice. Oh! Je vais faire la... No way!
T'es ma niaise! As-tu vu la bébête? Ah! OK, là, attends. Faut que je fasse de quoi? Attends. OK. Oui, t'as une minute. Je me décharge pour être sécuritaire. J'ai quelque chose à faire. Voyons. Seigneur, pourquoi quand on veut faire les choses comme vous, rapidement, je suis déchargée? Ça va? T'as envie de pipi? Non. J'ai tout réussi! Oh, tu perds de toi. As-tu vu le bac que t'as pété? Hey, t'as fait un tir incroyable. Pour vrai, là. Full shot! T'es-tu contente? Je suis super contente! Teamwork, regarde ça, je suis fier de toi. Mais as-tu vu le poil? Il est gris! Va me lever le panache, je vais me lever le panache. Mais il est gris! Attends un peu, moi, c'est... Non, attends un peu, là! C'est une bobite, là. Honnêtement, tu viens de faire toute une récolte. Kate, c'est l'enfer! Hey, il est beau! Hey, tu n'as pas fait de l'eau, là? Non. Oh, je capote, j'ai dit qu'il y a... Puis, juste comme ça, je vais te répéter quelque chose qu'on s'est toujours dit, là. Mm-hmm. Yeah. Browning, X-Bolt, Micro-Midas, dans quel calibre? 308. On n'a pas besoin d'avoir des calibres. Non, seulement que de la pratique, puis bien tiré. Là, tu vas voir ton panache. Hey, on va le prendre à deux, là. Attention à tes pattes, tu vas te faire mal avec ça. Oui, il est bien, il est piqué dans... On va le virer par ici. Comme ça. Comme ça. Viens-t'en. Mais tu veux le monstre! Ah, il est vraiment beau. Puis tu peux pas dire que j'ai pas pogné les poumons. Ah non, t'es tiré. Ça broute. Ah oui, hey, le tir, il est super beau. Hey, je suis vraiment fier de toi. Je suis capable. Vraiment fier de toi. Hey, mais c'était tellement solide, tes poumons, là. Ça pouvait pas être plus solide que ça. Ah non, là, j'ai une voix fatigante, je suis comme... J'arrête pas de crier. Mais ça, il y a plus un orignal dans le coin, mais on a celui-là qu'on veut. Ah, mais c'est pas grave, on a un. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça s'est demandé si l'adrénaline, c'est pas comme d'alcool, je suis rendu que je déparle. Ben, mais Chase, il part, tu sais, quand on disait qu'il y avait des gros pattes, là. Les traces qu'on voyait dans le chemin, c'était vraiment lui, là. Ah oui, vraiment. Oh. Hey, mon grand, on t'a un petit peu eu, hein. Mais, hey, merci. Quelle belle bête. OK, il est yeah. Tellement, mais tellement beau. Hey, puis là, c'est-tu qu'est-ce que je me demande? Que? Je sais que ça a l'air bizarre, mais la prochaine question, c'est. Je demande ça à Jonathan de me faire juste le crâne ou est-ce que je fais la tête? Écoute, je vais te montrer quelque chose que t'as peut-être pas vu. Bouge pas. OK. T'étais tellement énervé tantôt. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Franchement, c'est par en arrière. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Regarde, dis ça, la fale. Regarde comment est-ce qu'elle descend, là. Regarde ça, là. OK? Puis. Yep. Mais comme quoi? Mais. Non. Regarde. Hey, c'est fou. Regarde la longueur de la barbiche. C'est fou. Ah, honnêtement, là. Très honnêtement, là. Quand même, toi, tu voudrais juste le crâne, là. Moi, tu vas me dire non! Je refuse officiellement, je m'objecte officiellement. Puis s'il veut que ce soit moi qui paye pour que tu l'ailles monter en tête au complet, ben je vais le payer. Non, parce qu'il est beau en tabarouette. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis tu sais, la preuve, là, regarde la grosseur du barbillon, pour vrai, puis regarde le panache. Tu sais, quand tout le monde dit « Ah, c'est un 50 pouces! » Non, c'est un vieux box, ça. Ah oui, c'est un vieux box. Il n'y a juste pas un énorme panache, là. Il n'y a pas un énorme panache. Ben, il est gros, là. C'est un très beau panache, ça. C'est un très beau panache, mais je veux dire, tu sais, les grosses palettes qu'on est habitué de voir, les longues. Moi, je suis habitué de voir des plus petits. Ça, généralement. Non, mais je suis vraiment contente! Oh. Parce que, honnêtement, c'est comme plus qu'espéré, là. Toi, t'es peut-être fière, mais moi, tu viens de me faire le plus beau cadeau que tu peux pas me faire. Oh. Parce qu'après un mois qu'on a commencé à travailler ensemble, oui. Je t'ai demandé si c'était quoi, toi, que tu voyais, c'était quoi tes buts, où tu voulais aller dans la chasse. Il y a une des choses que tu m'as demandé. Je veux que tu me guides un jour à l'orignal. Ça serait vraiment cool. Je t'avais vu aller à l'orignal, j'étais comme, je suis très prêt, ça serait vraiment cool. Quand on a eu l'opportunité de venir ici, chez Jonathan, chez Skate, j'amène pas ma carabine. C'est ta chasse et je vais te guider. Ben, jour 1! Jour 1! Regarde ce qu'on a! Fait que moi, là, je te remercie de ce que toi, tu viens de me faire vivre. C'est incroyable. Puis, content de t'avoir guidé. Puis, si tu recherches un guide une autre fois de même, là, ça me dérange pas, moi, parce que tu tires pas pire bien. Hein? C'est vrai, j'ai eu un bon prof. Boum! Merci, malade. Oh,
C'est tellement beau. Alors, on a acheté une station. Oh, là, de beaux bocs. On a trouvé les traces dans le chemin. Oui, j'ai eu monté à côte, j'ai vu ça. Oui. Oui, emmené, ben... Il a suivi direct la ligne d'odeur. Il est allé direct dedans. Point par point, ce qu'on a fait, il est rentré, on l'a vu, fait comme il va monter sa butte là, il va descendre exactement. Il a suivi là, à la ligne. Ouais. Un scénario, là, ça n'aurait pas été mieux que ça. J'ai juste eu, à la dernière minute, là, à leur coller un peu pour leur placer pancarte un peu. Oui, il était comme trop en angle. Tire parfait, 308, garde. Il allait tirer en arrière du bloc rouge. Il est à côté. Il n'est pas sorti, maman. Non. Non, il n'est pas sorti encore. I see what brings me here. It's a mother to all. Là, Joe, c'est une question qu'on reçoit vraiment souvent. Tu sais, les visseurs, on fait quoi? Parce que dans le cas ici, tu dis qu'on va venir leur chercher demain, dans le fond. Oui, parce que là, on a un bon job à sortir ça. Mais là, les loups, les coyotes. Il n'y a pas vraiment de danger. Moi, je tasse les visseurs un peu, les corbeaux vont jouer là-dedans. Oui. Puis les loups, toute l'odeur humaine qu'on a laissée ici, on va laisser un dossard dessus qui sent l'humain. Oui. Puis d'habitude, là, un loup, c'est très méfiant. Ça peut rentrer sur une bête, ça prend 3-4 jours, là, il va faire le tour, s'assurer que c'est sécuritaire avant de dire qu'il s'en vient puis qu'il s'approche. On va avoir le temps de venir le chercher demain. Ah, demain matin, première heure, on va être ici. C'est bon, fait qu'on finalise ça, puis on va venir en chercher ça demain. Parfait. Tu vas-tu chercher ça? Tu sais, chercher ton buck. Oui. T'attends-tu? C'est notre buck. Oui, c'est notre buck, mais là, tu l'as vu de noirceur? Oui. On va aller voir le bouquet de la pauvre. Il y avait de l'air déjà gros, j'imagine. Là, il va être encore plus gros. Ça, c'est le fun. On va aller rejoindre Joe. OK. Puis, de jour, il dit quoi, ton buck? Il est beau. Joe et Francis sont en train de tout nous organiser ça, sortir ça, sa civière. Ouais. Les gars sont habitués. C'est ce qu'ils font sur une base régulière, prendre les clients en main. Mm-hmm. On le répétera jamais assez. Le niveau de service, souvent, dans une pourvoirie, ça devrait être un des critères de choix par-dessus les taux de réussite pour l'expérience que vous allez vivre. Puis c'est ce qu'on vit ici, ce genre d'expérience. On est pris en main de A à Z. On a du fun avec la gang. C'est ce qui se passe. Non? On va sortir l'Orignal avec les autres. On va apprendre en même temps. Ben oui. C'est ce qui est le fun. On apprend tout le temps. Exact. Ces gars-là vont nous apprendre énormément de choses parce qu'ils sont expérimentés là-dedans. Pas mal plus c'est que pas moi. C'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. Mon vanin du marché. Boum! C'est ça que ça donne, Kate. Une journée de chasse et regarde-moi le beau boc. Non, mais on est-tu content pour vrai? Et content? Oui. Hey, moi, c'était un rêve. Un rêve? Oui, je rêvais. Ben, tu sais, écoute, c'est ma chasse, là, la chasse à l'Orignal. Oui. C'est vraiment mon dada. C'est vraiment quelque chose que je trippe. Mais il y a toujours de quoi apprendre. Là, de le faire avec toi. Moi, je voulais que ce soit toi qui me guide. On avait parlé ensemble et c'est chose faite. Je peux mettre ça dans ma bucket list, c'est fait. C'est une demande que je m'avais faite il y a plusieurs années. Exact. Cette année, ça a donné. En plus, on est avec Nicolas, qui est un ami à nous, oui. Nicolas. Là. C'est pas juste un gars en arrière d'une caméra. Ah, mais c'est un solide teamwork en ben plus. Oui, c'était vraiment tout le monde ensemble, travail d'équipe. Hey, on est dans le cash. J'entends marcher l'histoire de bonne femme dans sa tête. Ben non, l'Orignal, il est là, Nicolas, qui réussit à se virer pour tourner tout ça pendant qu'il se fait analyser. On me dit, pouf, beau tir, ce gars. Je suis fier de toi. Merci. Vraiment fier. C'est un accomplissement d'équipe. Moi, je suis fier de nous trois. Oui, pour vrai, là, c'est l'Orignal à toute l'équipe. Je suis vraiment fier de nous autres. Oui. Super belle expérience. À preuve de quoi, ici, il y a du gibier sur place. On est venu au printemps, on a fait l'ours, on est revenu avec un succès. On arrive avec l'Orignal. Oui. Une journée, un peu de connaissance au travers de ça. Beau travail d'équipe. Et voilà, on peut reprendre la route. Fier de nos accomplissements. Belle collecte, ça va faire de la belle viande pour toute la famille. Les enfants vont en profiter, oh, les oui. amis. Hein, comment est-ce qu'on dit? Manger bio, Michel? Oui, manger bio et Mélanie? Bio. Hey, yes! Hey, yes.
Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Mont-Valin du Archer.